comme j'espère. Cette vidéo s'intitule L'homme marié. L'homme marié, il ne quittera pas sa femme pour toi. Allô, bloité. Il va te faire perdre ton temps. Il va sucer tout le jus qui est dans ton corps. Quand il va finir tout ça là, il va te jeter. Et il va continuer sa route. Il ne quittera pas sa femme pour toi. L'homme marié, en fait, je t'explique. Pour lui, tu es une option. Tu fais partie des bouquets de Canal Plus, en fait. Bouquet évasion, bouquet Canal Plus, tout ça. Tu fais partie pour lui d'un bouquet, d'accord? Et l'abonnement de votre relation dépend de la facture que tu vaux, en fait. Donc, si pour un homme marié, tu es un abonnement Canal Plus, tu choisis d'être un abonnement, il te zappera au gré de son humeur, au gré de son appétit, en fait. Du coup, pour lui, il te dira toujours, écoute, pourquoi je ne t'ai pas connu plus tôt? Tu es une femme douce, tu m'écoutes bien. Il se plaint toujours de sa femme. Il critique sa femme. Tout de sa femme. Il te dira même qu'il ne couche plus avec sa femme. Il te dira, ah ma chérie, tu es la meilleure. Surtout après une partie de crac-crac. C'est des phrases qui viennent. Hein? Ah non, tu es la meilleure, tu me satisfais, tu es bonne, tu es bon, tu es si. Il te ment. L'homme marié, quand il te dit aussi, écoute, on reste ensemble, le temps, écoute, si tu trouves quelqu'un pour moi, c'est pas grave, tu me dis, et puis on restera de bons amis. Il te ment. L'homme marié te dira aussi, ma femme, elle m'énerve, elle me sort le feu par les oreilles, je vais encore rentrer maintenant, tomber dans des histoires, oh merde, avec toi, c'est la douceur. Il te ment. L'homme marié, s'il te dit encore, je n'aime plus ma femme. Franchement, je ne l'aime plus. Mais à cause de sa famille, je vais l'aménager doucement. Je vais y aller doucement. Il te ment. Quand l'homme marié te dit aussi, c'est à cause des enfants que je suis avec elle. J'attends que les enfants grandissent un peu. Chacun va prendre sa route. Il te ment. Il te ment, ne te fait pas voir. L'homme marié, pour lui, tu es comme un championnat, en fait. Tu fais partie des Jeux Olympiques. Donc, tu es là pour un temps. Tu es sa go charama, tu es sa go wifi, tu es sa go bluetooth. Voilà, en fait. Donc, prends-toi au sérieux. À moins que tu décides d'être une maîtresse officielle pour un homme marié. Mais le jour où tu tombes enceinte, l'homme marié te dira... Ah non, on n'a pas dit ça comme ça, c'était pas ça qu'on s'était dit. Ah non, qu'est-ce que moi je vais dire à ma femme? Attends, qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Non, écoute, tu t'es fait avoir. Aussi, une chose, après un mois de flirt, deux mois de flirt, trois mois de flirt, encore là, c'est que ton règne a assez duré, il te dira... Ne m'appelle plus à des heures indues. Et pour lui, heures indues, c'est quoi? Écoute, j'ai pas aimé que tu m'appelais hier alors que j'étais à la maison. Écoute, ma femme a vu nos messages. Ça. Ma femme commence pas à te soupçonner. Tu t'es fait avoir. Prends-toi au sérieux. Mais le phénomène aussi, c'est que la rue de Cotonou est jonchée d'hommes mariés. Même les jeunes aussi sont mariés. Ça, je ne comprends pas. Un jeune homme, il te dira, écoute, j'ai fait enfant avec une femme, mais on n'est pas ensemble. La totale, la cerise sur le gâteau, c'est quand l'homme marié te dit, j'ai eu un enfant avec lui, avec elle, mais on n'est pas marié. J'ai eu un enfant avec elle, mais on n'est pas marié. Ou bien il te dit carrément, tu as vu une bague, j'enlève la mienne d'ailleurs, tu as vu une bague à mes doigts, j'ai pas de bague. Et quand un homme te dit, j'ai pas de bague. Pour répondre à ta question, quand tu lui dis, mais tu es un homme marié, écoute, faut chercher la porte de sortie. J'ai dit pour moi, hein, comme d'habitude, je l'ai dit, de voir.